Pari gagné pour Richard Branson, son Starship 2 de retour de l'espace atterrit sans encombre. 40 minutes plus tôt, le petit avion-fusée avait décollé sous les ailes d'un avion porteur. À 15 000 mètres d'altitude, comme prévu, l'engin a ensuite été largué. Puis il a allumé ses moteurs pour grimper à une vitesse vertigineuse jusqu'à 86 km d'altitude, la frontière avec l'espace. À bord, des membres de Virgin Galactic et leur boss Richard Branson qui n'en revient pas. Congratulations to everybody for creating such a beautiful, beautiful place. À la lisière de l'espace, les passagers ont pu flotter dans la cabine avec vue imprenable sur la courbure de la Terre, même si ce moment n'a duré ici que 3 à 4 minutes. Le coût du billet est, lui, astronomique, 230 000 euros, ce qui n'a pas empêché 600 personnes de s'inscrire sur la liste d'attente, de futurs touristes de l'espace qui recevront tous une petite formation. Plus de 400 personnes ont déjà subi ces petits entraînements qui durent un week-end. Ce sont des formations théoriques et pratique notamment, et la chose qui est la plus éprouvante, c'est en fait la fameuse centrifugeuse où on vous met dans une petite capsule avec un bras et on vous fait tourner très très vite jusqu'à 2-3G. Régis Sibyl, un Liégeois passionné de conquête spatiale, est l'un des futurs passagers potentiels du Starship 2. Il a un ticket pour le deuxième contingent de plusieurs milliers de touristes et a déjà versé 1000 dollars d'acompte. La route est encore longue, mais au moins je suis dans le deuxième contingent et j'attends mon tour avec impatience. Donc vous pourriez vous retrouver à un moment donné comme les 6 passagers cette fois-ci? Ah, tout à fait. Il faudra le temps, il faudra que les prises démocratisent un peu, mais je veux dire, je travaille pour, je mets de côté pour et je suis certain que j'arriverai tôt ou tard. D'ailleurs, en attendant, le futur touriste spatial n'est pas resté les bras croisés. Il a déjà accompli plusieurs entraînements dignes du parcours d'un vrai astronaute. Un vol 0G, donc 16 paraboles de 22 secondes avec notamment Thomas Pesquet, Jean-François Clairvoy et André Kuipers qui sont des astronautes professionnels. J'ai fait ça en France en 2018 et j'ai eu la chance donc d'aller à la Cité des Étoiles essayer la centrifugeuse sur laquelle ils s'entraînent tous. En tout cas, aujourd'hui, ce vol test réussi marque sans doute un tournant pour le tourisme spatial.